Shalom uvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va travailler sur un point qui n'est pas super réjouissant. Alors vous allez dire, c'est décidément pas possible, petit gars, sors. Sors de Tisha B'Av, ma Corée. Donc en fait, évidemment, il faut les harbot pesimcha. Je vous ai dit hier, on va vers de grands jours, Be'ezrat Hashem, de Tshuva et tout B'Av, avec beaucoup, beaucoup de lumière, un jour extrêmement kadosh, plein de rachamim, Be'ezrat Hashem, on y travaillera, bli neder. Aujourd'hui, on va travailler sur quelque chose lié à des situations que vous m'avez exposées hier, qui est, mais comment ça se fait? Et on en a parlé aussi Shabbat. Une amie très proche m'a écrit avec beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup de peine et de tristesse par rapport à un événement qui la touche particulièrement. Et comment se fait-il qu'il y ait autant de mal? Comment se fait-il que des gens qui doivent être de manière naturelle, trentaine d'années, brim veshlemim, comment ça se fait qu'ils soient autant dans un état critique? Combien de brachot? Combien de tehillim? Combien on demande en fait de partager de tehillim pour des refouot chez les, la refouot chez les mas de personnes? Combien on voit d'enfants, lo aleinu, que ça sorte du Ham Israël, que tout le monde soit brim veshlemim, que tous les hôpitaux, Be'ezrat Hashem, soient vides. On doit prendre conscience qu'il nous faut acquérir davantage de mérite. Si on voit plus de maladies aujourd'hui, ce n'est pas uniquement l'effet de médias, l'effet de WhatsApp, l'effet de Télim qu'on partage. Il y a plus de maladies aujourd'hui. Il faut en prendre conscience, même si ça ne nous plaît pas. Même si ça ne nous plaît pas, il faut travailler sur cette conscience et réaliser que s'il y a plus de maladies qui sont générées aujourd'hui et qui touchent en fait des personnes contre toute attente, contre tout higaïon, c'est pas pour rien. Il nous faut acquérir davantage de mérite. Et avant, quand nos mérites étaient plus nombreux, il y avait moins de maladies, c'était moins développé. Aujourd'hui, on doit se renforcer dans des mitzvot, dans des mérites, dans une hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, dans une shmira d'Akadosh Baruch Hu, Be'ezrat Hashem. Lorsqu'une personne se renforce dans une mitzvah donnée, dit le Rav Steinman, elle va faire pencher, on en parlait Shabbat, la balance du bon côté pour l'ensemble du peuple juif. On ne se rend pas compte. Une petite mitzvah, quand je vous ai demandé de prendre des kabbalot, Baruch HaShem, il y en a eu des nouvelles résolutions pour la Shemira du Ham Israël. Il y en a eu, mais je vous dis la vérité, comme d'habitude, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Une petite mitzvah pour la Shemira du Ham Israël et pour accélérer la Géoula. Vous êtes plusieurs centaines dans les groupes en fait où on envoie les messages et les audios. Et c'est un Sefer Shruyot, c'est un Sefer, un livre en fait que tient Hidabrout, la chaîne, Hidabrout qui diffuse des cours de Torah en hébreu, où chacune est répertoriée, chacune sera bénie par les Gdolé Ador pour recevoir une bénédiction par le Rav Kanievski, par le Rav Abou Assira. Pour une petite mitzvah, une petite résolution qu'elle prend de nouvelles sur elle, pour construire et permettre la construction du Beit HaMikdash et faire contribuer à la Géoula. Je suis désolée, quitte à ce que vous n'écoutiez pas, et ça serait dommage, les cours, mais franchement, je trouve qu'il n'y a pas assez de résolution. C'est biltif, chérie, on ne peut pas vouloir quelque chose d'aussi grand, d'aussi immense. Ça fait 2000 ans qu'on attend cette Géoula. On demande une petite action pour dire, voilà, Hachem, on t'apporte ça. On t'apporte dans ce Sefer Shruyot, tous les Shruyot, toutes les kabbalot, tous les mérites du Ham Israël pour faire contribuer à la Géoula. Et j'ai dû recevoir, allez, 10, 15 sur plusieurs centaines. Alors on va juger les kavzechout, on va dire que les gens n'ont pas vu le message. On va voir, on va, alors on cumule, aujourd'hui j'envoie encore cet appel, cet SOS pour dire prenez sur vous quelque chose pour les Hagan Alechem, déjà pour vous protéger à vous. Des Chevelé Mashiach, des contractions en fait de la venue du Mashiach, pour protéger le Ham Israël. Et regardez ce que dit le Rav Steinman, lorsqu'une personne se renforce, ne serait-ce que dans une mitzvah donnée, elle fait pencher la balance du bon côté pour l'ensemble du peuple juif. Il suffit qu'un seul homme, une seule femme s'améliore dans un domaine donné pour épargner la mort, c'est pas moi qui le dis, hein, de 50 personnes. Et lo aleinu, si quelqu'un commet une faute, d'autres peuvent tomber malades à cause de lui. Combien ça doit nous faire réagir? Combien on doit se réveiller? Combien on doit se secouer avec les responsabilités que nous avons? Mais nous, on ne veut pas être responsable. Nous, on ne veut pas être conscient. Nous, on ne veut pas augmenter. Nous, on veut dire, mais attends, c'est déjà compliqué tout ce qu'on fait.
Si en plus il faut rajouter, je ne vous demande pas de prendre tout sur vous. Je demande dans une mitzvah, peut-être l'approfondir, peut-être l'étudier plus, peut-être la faire avec plus de kavana, peut-être la faire avec plus de joie. Mais combien c'est énorme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de prendre sur soi, pas juste de dire j'attends la Géoula, j'en discutais hier avec beaucoup de personnes chez qui j'étais, attendre la Géoula, c'est une mitzvah. Agir pour la Géoula, c'est ce qu'on attend de nous. Donc la plupart d'entre nous ignorent que ce rapport de cause à effet existe. Donc c'est pas de la loi nous des choses des gens qui veulent pas, c'est des gens qui ne savent pas. Donc il faut diffuser, 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 diffuser ce cours Be'ezrat Hashem avec tout ce que vous pouvez dans tous les groupes. Vous ne savez pas comment ça va réagir. Vous ne savez pas ce qui va réveiller une personne. Vous ne savez pas en fait ce qui va apporter justement de la Shmira et de la Hashkacha, du Ham Israël et combien on en a besoin, plus que jamais. C'est pas parce que Tisha B'Av avait passé que ça y est, c'est vas-y, quand on fait ce qu'on veut, tout est ouvert, mais l'eau allez nous, pas du tout. Pas du tout. Il faut justement que ce Tisha B'Av ne se représente plus et qu'on soit enfin en sortie de cet exil. Je crois aujourd'hui, et je crois que j'en ai pleuré avec mon mari dans la voiture, je crois qu'aujourd'hui c'est la Gay Pride. Qui peut me confirmer que j'ai vu des tonnes de drapeaux partout dans Jérusalem? Mais quel tsahar! Mais quel tsahar! Quel tsahar! Vous savez quoi? Vous savez quoi? Celui qui réagit pas et qui ressent pas de tsahar par rapport à cette marche qui va se tenir dans la ville Kedosha, d'Eretz Israël, dans la ville, dans le Cheder HaChadarim, dans le Kodesh HaKodashim, d'Akadosh Baruch Hu et qui ne ressent pas de tsahar, qui voit ces drapeaux sans réagir, c'est comme si on faisait partie, lo aleinu, que Dieu nous en préserve de cette marche. Vraiment, vraiment. Et moi aussi, je me sens lâche. Parce que franchement, de laisser faire ça dans notre ville, de causer autant de tsar, on dit dans la Torah que c'est une abomination. C'est une abomination. Il n'y a rien marqué dans la Torah comme ça. Une abomination pour Hachem. Et nous, on laisse faire. Et nous, et vous savez qu'à chaque fois, l'eau allait nous, je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler, je ne veux pas ouvrir ma bouche. À chaque fois, vous savez très bien ce que ça induit, ce genre de choses. Il faut les harbot basrouillot en attendant de faire une immense révolution. Une immense révolution qu'on devrait faire dans la ville face à ça. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Vous savez, quand je vais en France travailler, je travaille avec beaucoup de goyim. Je travaille avec énormément de goyim parce que mes clients sont des goyim. Vous savez, quand je leur dis que j'habite en Israël et à Jérusalem, ils me disent, oh là là, vous êtes exceptionnel. Oh, on ne sait pas comment vous avez fait pour être la capitale de cette Gay Pride. Et moi, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de me barrer. J'ai envie de me barrer de ces réunions parce qu'on est identifié dans la Touma la plus forte qui existe au monde. Quand je suis sortie hier dans la voiture et que j'ai vu ça, ma mâche, les larmes ont commencé à couler, et mon mari aussi. Il faut d'urgence, ce n'était pas du tout l'objet du cours, mais c'est en lien avec le cours. Il faut face à cette touma qui se déchaîne, il faut absolument, en attendant ma mâche, te faire des groupes immenses de bus, de tout ce que vous voulez. Il faut faire la révolution chacune avec sa hirolette, mais on ne peut pas rester indifférent. Hachem, ça le fait hurler de pleurs. Et de tsar de voir ça. Je suis sûre que je vais avoir des tonnes de messages et de non-likes, peu m'importe. Je fais pas ces cours pour avoir des likes ou des non-likes. Je fais ces cours pour dire la vérité. Et vous savez à quel point ça peut créer de la touma. La touma, c'est quoi? C'est le contraire de la kdoucha. C'est le contraire d'Hachem, non, allez, non. C'est le contraire de la Hashgacha et de la Shemira d'Hachem. Et après, on se demande pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a autant de manque de protection? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Mais c'est tout simple. Regardez ce qui se passe autour de nous. Je suis désolée. Je voulais pas pleurer. Je voulais pas faire un cours comme ça. Mais je pense qu'à un moment, il faut se dire les choses. J'en ai marre du côté consensuel où tout le monde se dit, mais tout va bien se passer. La Géoula, elle va arriver fluide. Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite-là. En attendant, quand je vois ce qui se passe, eh ben moi j'ai envie de crier et j'ai envie de dire qu'on est à côté de nos pompes. Voilà, on est à côté. On fait des choses super bien et à côté, c'est la cata. Il faut absolument faire quelque chose pour multiplier les mérites. Et encore une fois, une petite mitzvah, et vous êtes des centaines de personnes à écouter,
et à partager ses cours. Impossible de rester insensible et de ne pas prendre sur soi une petite mitzvah pour la Shemira du Ham Israël. C'est impossible. Je ne comprendrai pas. C'est très difficile d'entendre ça. En tout cas, moi, ça m'a mis vraiment en tristesse et j'en ai parlé avec beaucoup de rabbanim qui, que ça a mis aussi en tristesse. Donc, peut-être que juste le message, il n'est pas passé. Mais c'est très, très important de prendre quelque chose de supplémentaire qu'aider la Hagen al Am Israël. Et en fait, le Rav Steinman, il continue, il dit, mille et il dit, plus grand, effectivement, plus on se renforce dans les domaines des mitzvot de la Torah et des bonnes actions, plus grande sera la protection que nous fournissons au Ham Israël, à notre famille, au monde tout entier. Non seulement on va se protéger nous-mêmes, on va sauvegarder le monde entier de catastrophes, nous, le peuple juif et tout le monde. 1000 juifs auraient pu être sauvés si seulement on avait étudié un peu plus, si on avait appliqué un peu plus les principes de la Tzniout, si on avait un peu plus appliqué les lois de Shmirat HaLashon. De même, lorsque nous prions, nous devons imaginer que le monde entier attend notre tefila. Et ça concerne toutes les mitzvot, ça ne concerne pas uniquement la tefila. C'est vrai qu'il est beaucoup plus facile d'éprouver ce sentiment au sujet de la prière. Sans notre prière, les habitants de la terre, dit Rav Steinman, manqueraient de lumière, de nourriture et d'eau. Pour celles qui ne savent pas, le Rav Steinman, c'est juste avec le Rav Kanievski, Saré à Torah, les princes de la Torah, les Gdolé à Torah. C'est notre devoir d'alimenter, car grâce à nos actes, on influence le monde entier favorablement. Plus on se concentre, plus on fait des mitzvot, plus on fait des tefillot sincères, plus on fait preuve au monde d'un shefa de bien qui amène en fait de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Si on prie avec plus de concentration, on soulève le monde entier. Chaque chose, aussi petite soit-elle, que nous ajoutons à notre concentration, a un effet positif. Chaque mitzvah supplémentaire apporte de la protection, Be'ezrat Hashem, que l'on puisse être. Je suis désolée si je vous dis des choses dures dès le matin. Je suis désolée, c'est pour notre bien. Je ne veux pas faire des cours qui sont très jolis et qui n'apportent pas ce qu'on doit faire en Icar. On doit se concentrer en Icar là-dessus. Be'ezrat Hashem, que l'on puisse. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui. Dites-moi si c'est aujourd'hui ou pas. Si c'est aujourd'hui, il faut faire des choses, il faut faire des tehillim, il faut multiplier toutes les prières, même si on n'a pas le temps, même si on est en vacances, peu m'importe, il faut absolument balancer, contrebalancer ce mal, cette touma qui nous a apporté beaucoup, beaucoup de hassonot dans les années passées, immédiatement après. Bezrat Hashem, que l'on puisse protéger le Ham Israël par le mérite de nos bonnes actions, de nos mitzvot, de notre avatrinam, de notre messirut nefesh, de notre messirut nefesh. Il faut donner sa neshama pour faire des mitzvot. Ça ne se fait pas en claquant des doigts. Combien j'ai eu de gens qui m'ont dit « Non, mais c'est trop dur. Mais c'est trop dur. Mais quoi? Mais tu veux la Géoula et tu dis que c'est trop dur. » Il faut être cohérent. Il faut travailler sur cette cohérence. Même une petite, je vous ai dit, rajouter 1 mm à sa jupe, rajouter une tefila, rajouter un paragraphe de Kriyat Shema, penser positif par rapport à quelqu'un qu'on n'aime pas, faire n'importe quoi de positifs supplémentaires. Et c'est un monde entier qu'on sauve. Bezrat Hashem, que par ce mérite, il y ait tous les malades qui soient brihim veshlemim. Avec votre permission, un cours dédié à mon fils, à sa refoua shelema, Noam Avraham Raphaël ben Tikva, Bezrat Hashem, refoua shelema. Son histoire se passe au mieux ce matin. Je vous embrasse très très fort.